aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ou sinon, eh bien tant pis. Elle sera tournée quand même. Petite page inspirée par Michel Fieu. Voilà. Même limite recopiée. Il y a quelques... Ouais, limite recopiée, on va pas se le cacher. D'accord? Vous êtes prêts? Let's go. Recopier, mais à mes dimensions, si vous savez bien que je ne regarde pas les tutos, je regarde que les vidéos de présentation, c'était un album de Noël, de mémoire. J'aimais vraiment beaucoup ce concept. Et je me suis dit, pourquoi pas le refaire. Donc voilà, merci à Michel. Donc, notre petite page, c'est la première. On les a fait quand on a fait la structure de mémoire. Si vous ne les avez pas fait, je vous laisse revoir les vidéos précédentes. Ensuite, c'est parti. C'est parti. J'ai décidé de faire quoi? De faire comme ça. Alors, une, ça va être super rapide, vous allez voir. Une petite page, une petite feuille de 20,5 par 10,5. Un pli à droite, à gauche, en bas. On marque nos plis, on biseote. Et on vient faire une petite bordure. D'accord? Donc, ça faisait 10,5 moins la bordure. Donc, je marque mes plis. Voilà, là, et je biseote. Hop, ici, ici. Et je vais venir coller juste là. Désolée, je sais pas c'est quoi le bruit, d'où ça vient. Il est midi. Et je vous avouerai que je ne sais pas du tout. Ça se trouve, vous n'entendez même pas, il y a que moi qui l'entends. Mais c'est pas grave. Donc, ici. Et ici. Voilà. Donc là. Ensuite, hop là, on prend une feuille de 18,5 par 15 cm. Pareil, on fait une bordure. Un pli de 1 cm en bas et on va venir le coller ici. Je suis désolée. Je vais biseauter et coller. Voilà, hop, ici, 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 je viendrai mettre, je ne dois pas avoir d'espace, moi j'ai de coucher, non je n'ai pas de coucher, je viendrai mettre un espace photo couché comme ça, d'accord? Donc ensuite, on prend une feuille de 11,5 par 20 cm, donc j'ai changé mes dimensions, vous allez pouvoir ici, parce que le premier n'allait pas pour ce que je voulais faire. Du coup, je les ai changés. Du coup, j'aurais coupé le morceau, mais je ne sais plus si je vous ai dit. Ici, on prend un livret, donc 29 par 10,5, on plie en deux. Ici, je marque mon pli, donc 11,5 par 20 cm, un pli de 1 cm en haut. Je biseote. Et je viens perforer ma bordure en bas. Voilà. Hop. Ici. Qu'on va venir coller ici. Donc, pourquoi cette dimension-là? Je vous explique. À la base, j'avais fait celle-ci. J'avais prévu pile poil l'intérieur ici. Sauf que ce livret-là, je vais faire comme Michel, du coup, je vais le mettre ici. Mais,
il faut que ça puisse aller au niveau de la dimension pour pouvoir rentrer un livret ici. Donc il me fallait plus large et du coup plus long. Donc je colle ici. Hop là. J'essaye de centrer un maximum. Voilà. On vient prendre notre feuille. Donc, hop, si je veux, on va prendre celui-ci pour nous. Hop, Marie, non, tu fais comme ça. Voilà. Et si je veux que là, voilà, ici, là, il faut que au plus mon livret arrive là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon double face. J'en voulais du très fin. Je vais aller en chercher dans le tiroir. Voilà. Hop. Du très fin. Et je vais venir, si je retrouve le morceau, là, le mettre un peu plus bas. Donc ici, un peu plus bas, comme ça mon livret pourra rentrer jusque là. Et du coup, hop, si je le mets bien ici, ça nous donne là. Et je vais venir prendre encore du double face. Alors pas totalement jusqu'en haut, hop là, mais ici. Bonjour l'Olaf. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens faire ta toilette ici, t'es sérieuse? Tu crois pas que tu vas me gêner? Qu'est-ce que je fais de ce chat? Oh. Oui, tu veux des bisous? Bah, tu peux pas attendre que j'ai fini pour avoir des bisous. Donc, hop, je marque bien mes plis, mon double face. Et je viens coller ici. Hop là. Et du coup, donc on essaye de le centrer, d'être droite également. Ça peut être plus joli. On va venir mettre des aimants, bien sûr. Donc, ici, ici, ici. Hop. Du double face. On va miser sur la sécurité et on va pas en mettre 3, on va en mettre 4. Parce qu'une fois qu'il y aura les photos, j'ai peur que si qu'après ça a du mal à coller. Hop là, et 1 et 2. Et cela, on va le mettre ici. Voilà. Donc, hop là, on marque bien pour que ça prenne bien. Là. Ici, j'ai eu le visage qui me gratouille des poils de l'Olaf quand elle est venue. Enfin, reconnais son bisou. Et ici,
D'accord. Donc, c'est ça. Vous avez deviné. Je vous laisse en musique. Je mets mon papier décoratif et je vous reprends. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Voici ce que donne cette période. Alors, comme vous pouvez voir, elle n'est pas terminée. Il me reste un morceau à mettre ici, mais je vais mettre. Je vais vous le sortir. Encore une fois, celui-ci. Mais comme je vous ai dit, je verrai un petit peu avec les chutes. Mais je pense que je vais me faire une feuille juste pour les chutes. Donc, ici, j'ai mis des petits papillons, bien évidemment. Je vous ai dit, dans cet album photo, vous allez retrouver énormément, énormément de papillons. Je vous l'ai dit. Hop, on ouvre. Ici, je vais mettre mes tampons juste derrière. Donc on pourra mettre juste ici un livret, ici, là c'est pareil, il en manque un bout, ce sera du jaune également, et ici des livrets. Je verrai au niveau de la déco ce que je vais faire ici, je sais pas, je vais faire de la déco mais je ne sais pas encore quoi, d'accord. Bon, donc voilà, là et là, donc voici un petit peu ce que donne ma page, j'espère qu'elle vous plaît. Merci à Michel pour son inspiration. Et en attendant, moi, je fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour la suite de ce tuto, bien sûr. Allez, bisous.